Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Scandale tout de suite, puisque la photographie d'un enfant de 6 mois avec une cigarette en bouche crée la polémique en Grande-Bretagne. L'image a été découverte sur Facebook. Elle a été postée par un membre de la famille. Sur la photo, Oli, 6 mois, a une cigarette aux lèvres. Éteinte, hein, mais quand même une cigarette aux lèvres. Alors à la vue de cette image, les nombreuses personnes qui faisaient partie des amis ont été horrifiées et ont appelé, ont contacté l'administrateur afin que cette photo soit retirée. Du coup, a débarqué dans cette famille, chez la petite Oli, la police et une assistante sociale, et puis bon, tout le monde s'est arrangé. Hein. Ça s'est quand même bien fini, hein, parce que c'était pas si grave en fait. Hein. La gamine ne fumait pas plus d'un paquet par jour. Scandale aussi à Paris, cette fois, le chauffeur d'un corbillard et son collègue ont été interpellés en état d'ébriété, donc récemment, place de la Concorde, à Paris. Ils ont découvert qu'il s'agissait d'un corbillard avec un cercueil à l'intérieur. Voilà, les deux employés arrivaient du sud de la France et ils devaient amener le corps au cimetière Père-Lachaise à Paris. Et les deux protagonistes ont simplement déclaré pour leur défense: oh ça va, on a juste bu quelques bières, on n'avait pas la gerbe. Excusez-moi, non c'est une webcam, c'est parce que ma mère elle regarde le journal aussi, ça me fait une téléspectatrice. Roxy va révolutionner le monde des poupées gonflables. Alors qui est Roxy? Roxy, elle a été présentée au salon de l'érotisme à Las Vegas, dans le 20e arrondissement. Roxy, elle fait ce qu'on lui demande. Si vous lui mettez la main dans la main, elle dit « Oh, j'aime bien quand tu me prends la main ». T'imagines si tu lui mets la main. Voilà. Et alors, Roxy a une particularité, c'est qu'elle elle ronfle après l'acte. Je vais enfin pouvoir me refaire des gonzesses. Étranger, un Indien déclaré mort après avoir été heurté par une voiture le jour de Noël, le 25 décembre dernier, s'est réveillé sur la table d'autopsie. On était en train de le charcuter et il se réveille d'un seul coup. C'est flippé. La seule chose qu'il aurait déclaré en se réveillant, il aurait dit « Oh là, oh, je suis crevé !» Oui, entrez. Ah non, c'est l'étage en dessus. Vous voyez avec la gardienne? Non, non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de dérangement. Voilà, ce journal est donc terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.